23 septembre, il est 5h55 du matin. Aujourd'hui, on part à Londres. On va au Alexandra Palace pour le concert Sold Out de While She Sleeps avec Bury Tomorrow et Polaris. Une date complètement folle. Mais putain, que c'est dur de se lever si tôt. On se retrouve à Bruxelles. À demain, mon petit loup. À demain, ma doudoune. Ce concert de While She Sleeps, il est super attendu autant par le groupe que par les fans parce que c'est le plus gros concert headliner de While She Sleeps. Depuis le début de leur carrière, il y a 10 000 places qui sont vendues, c'est sold out. Ça va être un concert de fou furieux. Mesdames, messieurs, sous vos yeux ébahis, l'albatros liégeois, la muse à reine des bacs à sable, mesdames, messieurs, Priscilla. Il est même pas 9h du matin. Non, c'est du coca. Qualité dégueu. Pas du tout, tu pas du tout. Combien de secondes, toi? Je sais pas du tout. Parce que s'il filme pas en 60, ça va pas, parce que moi je filme tout en 60. Et c'est tout en 60? Et ça compte. Tu fais tout en 60 images par seconde. Je découvre le Alexandra Palace. La salle est complètement folle. En tout cas, les couloirs sont accélérés, complètement fous. Je n'ai jamais vu ça. Et si là. Elle sait faire que cette tête-là sur les vidéos, je suis désolé. On est où, Priscilla? Je n'en ai aucune idée. D'ailleurs, tu ne me vois pas. On voit. On ne voit plus. On voit. On ne voit plus. On voit. Il n'est pas encore 9h. On vient de se réveiller. On va partir du Airbnb. On n'a pas encore parlé du concert. C'était comment? Comment est-ce qu'on dirait que c'était? Intense. J'ai pas d'autre mot. Intense, c'est un bon mot. Mais c'est au-delà de l'intense. C'est au-delà de l'intense. C'était... En fait, petit belge qu'on est, se confronter à un public anglais comme ça, c'est nouveau pour nous presque. C'était une folie furieuse. Il n'y a pas d'autre mot. C'était une folie furieuse. Je peux montrer ton t-shirt. Vous voulez voir? Mais je l'ai déjà rangé. Dommage, j'ai rangé mon t-shirt, mais j'essaierai de mettre une photo dans la vidéo pour que vous voyez l'état du dos de mon t-shirt. On dirait que des gens m'ont piétiné. Ce qui était un peu le cas finalement, on a été un peu piétinés pendant tout le reste de la soirée. Mais j'ai essayé de vous faire un résumé plus détaillé bientôt, quand je saurai marcher correctement sans avoir mal partout. Et bonne journée. Bon, évidemment, on a oublié de vous filmer la conclusion et de vous expliquer nos ressentis sur le concert. Mais le concert de While She Sleeps à Londres, à l'Alexandra Palace avec Bury Tomorrow et Polaris, c'était une dinguerie. On a passé une soirée absolument fantastique. On n'a jamais vu un public en feu de cette façon-là, vraiment. C'était hyper impressionnant de voir ça. On n'a jamais vu une telle ampleur dès les premières secondes de la première partie. C'était fantastique.
Maintenant, il nous a manqué un petit quelque chose en plus, ce je ne sais quoi qui ferait que la soirée aurait pu être parfaite, par exemple la venue d'invités. À part Dan de Bury Tomorrow qui est venu sur une chanson, on n'a pas eu un seul invité, on s'attendait au moins à Simon Neil sur le morceau Nervous, mais pas du tout. Ça, pour ça, on avoue qu'on est un peu resté sur notre faim. Mais là, vraiment, on l'avoue, on chicane un petit peu sur les détails. Sinon, évidemment, la soirée était grandiose. On a passé un moment inoubliable, probablement un des meilleurs concerts de l'année. Donc merci à Why She Sleeps, à Bury Tomorrow, à Polaris, à l'Alexandra Palace, au public, à tout le monde. Vraiment, la soirée était folle et on espère en revivre d'autres comme ça très rapidement. Bon, sinon, là, vous ne me voyez pas, mais je vous le dis quand même. Salut.